C'est Redkov, cette fois-ci on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft. Cette fois-ci pour, on va dire, pour le recrutement des nouvelles races alliées. Donc, on a Sylvanas qui nous dit: l'altruisme dont a fait preuve le commandement de la Horde pendant la guerre contre la Légion affaiblit nos rangs. Nos ennemis se réjouissent à l'idée de voler ce qui nous appartient, nous ne les laisserons pas faire. J'ai autorisé la construction d'une ambassade au Grimard, grâce à elle nous gagnerons d'autres appuis à notre corps, rejoignez-moi immédiatement. Donc, vous savez tous que... Ouais, d'accord, Limited 12. Ok, LM, voilà, on leur envoie. Donc, l'appel aux alliés. Oui, non, mais d'accord. Donc, on va y aller tout de suite à Grimard. Et on va aller voir Sylvanas. Donc, la dernière fois, vous vous rappelez, c'était quand je suis venu... Pourquoi j'ai ma caméra qui est activée, je sais même pas pourquoi. C'est pas trop grave. Alors attendez, parce que non, j'avais désactivé la caméra. Bah, tant pis, on va laisser, hein. Je vais voir si elle est vraiment bien désactivée ou si elle est activée par l'occasion. Donc c'était même pas prévu, hein. Non, pourtant, est-ce qu'elle est désactivée? Je sais pas, tant pis. C'est pas grave, c'est pas grave, hein. Alors, on va aller à Grimard. Donc voilà, la dernière fois on avait fait la suite de quête en Silithus, hein, j'avais fait une vidéo dessus, hein, pour ceux qui l'auraient pas vu, et d'ailleurs je vous remercie, hein, la dernière fois j'étais à 167 vues, ça fait très plaisir pour ma première vidéo. Meneur de la Horde, vous et l'un de nos plus illustres héros avez été convoqué aujourd'hui car notre ennemi rassemble ses forces. Bah nous aussi, hein. L'Alliance explore les régions les plus reculées d'Azeroth. Espérant trouver de quoi prendre l'avantage sur nous. Nous devons faire de même. La guerre est sur le point d'éclater, et la Horde a besoin de sang neuf. Qu'en dites-vous? Chef de guerre. Alors. Les Tauren de Hauroch ont vaillamment combattu la Légion Ardente à nos côtés. Tout comme nos ancêtres avant eux. Ah bah ça c'est normal quoi. J'ai convié leur chef à un grand festin en Mulgore. Cela pourrait être l'occasion de les rallier à notre cause. Ces Tauren sont simples, mais puissants. Ils constitueraient un atout considérable. Ah bah les Tauren, ils pètent des culs, hein, sur les champs de bataille. Hein. Je remercie Warcraft 3. Et Dame Liadrine, non? Rien pour... Ok, bon. Salutations. Ah, Dark Alvin. Bon, oui, mon pseudo c'est Dark Alvin, ça date du collège, s'il vous plaît. Donc, ne me jugez pas, ça date à peu près il y a plusieurs années de cela. Maintenant, nous pouvons commencer. Bane, Sabot de Sang et Dame Liadrine sont venus nous sujet des alliés potentiels. Sur Amar dispose de elle parle en même temps. Donc, vous écoutez ce qu'elle dit. Hein. Les deux options sont valables. Que bien ces vous peuples. Connaissez bien ces peuples. C'est approuvé votre valeur et votre attachement à l'ordre. Et dis-nous reprise, je vous laisse du choix. Écoutez ce que va dire, puis trancher. De toute façon, je pense qu'on pourra nous faire les deux. Ah putain, il faut vraiment trancher. Donc, parler à Bane, parler à Liadrine. Il y a tant à apprendre des tribus. Alors, voilà, et donc là, on voit à peu près Bane, les Tauren, au nord, les esprits de la terre, la rivière et du ciel. Donc, on a la charge de taureau, vous chargez, renverser, réduire les dégâts des attaques, ouais, c'est des tanks quoi, polyvalence augmentée, collecte de viande de poisson, ouais, content de mine. Voilà, j'ai débloqué les trucs, voilà. Très sympa. Et on a Dame Liadrine. J'agis pour la lumière. Oula, j'agis pour la lumière. Bon courage. Et donc, isolé derrière une barre après les dîners. Et ouais, donc en fait, s'il y en a, ils disent, ouais, mais. Pourtant c'est des elfes de la nuit, mais voilà, c'est que l'Alliance les a rejetés, surtout les elfes de la nuit ont rejeté les sacres nuits, ça fait un peu mal au cul pour eux. D'accord, au moins dégâts magie. Et voilà, et donc choisir un allié à recruter. Pour l'instant je vais prendre les sacres nuits. Donc, ah d'accord, on pouvait voir comme ça. Et donc, informez votre chef de guerre sans tarder. On va aller, voilà. Pour les gens de leur table, si que ils sont en atout pour... Les chats ont retrouvé leur plan. Dame Liadrine pense que pour attirer une ICS si elle a si longue histoire. On va prendre les F Sacre Nuit. Donc tu voilà. C'est. D'accord, de renforcer. Donc c'est parfait, on va les renforcer. Hein. Alors Sylvanas qui pour l'instant n'a pas de confiance en fait, ne fait. Aucun ne fait confiance. À Sylvanas, bah, parce qu'elle pense un peu trop au réprouvé, hein, sauf. Si vous avez vu la cinématique de Battle for Azeroth, hein, bien sûr.
Donc, et retrouver Damien Druid tout d'abord. Allez, on va l'accompagner, Damien Druid. Le seigneur régent Théron a convié les Sacres Nuits à Lune d'Argent. Je vais me rendre à Suramar, puis conduire Dame Talisra à ce rassemblement. D'accord. Je compte sur vous. Ne revenez pas tant que Suramar... Ouais, t'as pas fait ton boulot. À vos ordres, chef de guerre. Je vous retrouverai au domaine de Dame Talisra à Suramar. Mais bien sûr, je vous attends. Plus rien à dire ? Ah mais elle y va à pied quoi, genre... alors attendez, Suramar que je me rappelle... Qui se trouve là, donc on va aller à Dalaran. C'est bon, je peux y aller mais... ne revenez pas quand vous avez fait le boulot. Oui, chef. C'est pas fait pour cela. Donc voilà, on va essayer de faire les deux le plus vite possible. Hein. On va pas s'attarder. On va pas s'attarder. Alors je sais pas, en titre j'ai une idée de mettre, mais je sais pas comment attirer les gens pour leur dire voilà, race alliée. Je pense on va marquer on recrute Auroch et Sacre Nuit pour la Horde. Et peut-être je ferai. J'essaierai de faire ça côté. Bon bah j'ai la monture. J'ai la monture. Super, bah merci hein. Et pareil, des belles. Et normalement si je fais inutilisable. Décoché. Peut-être si je fais promotion. J'ai pas le cheval. Parce que vu que j'ai fait après commande. Non, encore inutilisable. C'est pas. Donc voilà, on va aller. Ah sur la barre, hein, on en profite. Hein. Donc on va essayer de faire les deux suites de quêtes hein, pour débloquer. Et après j'irai faire une autre vidéo dans laquelle on va jouer les races en question. Et nous irons. Et après je ferai une autre sur un peu voir ce qui s'est passé sur genre ce qu'on va avoir sur pour Battle for Azeroth, genre les nouvelles montures, les nouveaux raids, un peu sur le lore, des trucs comme ça. Hein. Et après voilà, ça va être une assez grosse vidéo donc j'espère que ça va bien se passer. Quoi. Genre je vais essayer de faire un peu. Bah genre, vous avez vu, j'ai trop exagéré, je vais essayer de bien faire quand même. Je ferai une petite partie comique où bah ça sera pas, on va dire, au moment où je ferai la vidéo, mais au moment où je vais... le moment, on va dire, où je vais découvrir, ça va être quand je vais regarder vite fait ce qu'il va y avoir. J'ai mis mon film Découverte Palais Sacre Nuit, je suis passé au moins je ne sais combien de fois au-dessus. Donc voilà, et... Comme ça on s'intéressera un peu plus au lore et ce qui va se réellement passer hein, parce que on est à deux doigts de partir en guerre, hein, ça va falloir. Comme pas. Pourquoi. Ah d'accord, ok, ils ont changé de truc. Je vais m'enlever parce qu'il y a si une cinématique. Je suis le bras armé de la lumière. Oui, on sait. Ah oui, il y a une cinématique. Salutations, Damien. C'est un plaisir de vous revoir et de vous accueillir à Suramar en des circonstances. Plus favorable. Je suis heureuse de voir votre cité enfin libre, premier arcaniste. Nous avons d'ailleurs une dette envers vous. Vous avez joué un rôle décisif. Je ne parle pas pendant les cinématiques. Ce fut pour la Horde un honneur de combattre la Légion Ardente à vos côtés, madame. Je dois avouer avoir émis des doutes au sujet de la Horde, convaincue que nos intérêts divergeaient. Je pensais que nos frères de Kalimdor seraient des alliés naturels, mais leur arrogance et leur méfiance m'ont rapidement détrompé. Arcaniste Talisra, je me rappelle la conduite de votre ordre lors de la guerre des anciens. Qui nous dit que vous ne deviendrez pas une nouvelle Elissande ou une nouvelle Ashara? Nous ne comptons pas devenir esclaves du puits de la nuit. Nous voulons seulement chasser la Légion de Suramar et mettre fin à la tyrannie des Lissandes. Les Caldoreilles combattront pour vaincre la Légion et détruire le Puits de la Nuit. Ensuite, nous verrons où nous guidera la Sagesse des Lunes. Il semblerait que la Sagesse des Lunes ait altéré le lien qui nous unissait autrefois. Ah bah avec Tyrande, qu'il en hein. Soit
Kirand et son peuple plein d'orgueil méprisent les Sindoreilles. Ouais. Ils oublient qu'ils dormaient dans des tanières et se cachaient dans les arbres à l'époque où les miens se battaient déjà pour sauver le monde. L'Alliance est trop fermée, trop hermétique. Et mon peuple refuse d'endurer davantage. C'est pourquoi je suis ravie de votre invitation à l'Une d'Argent. Ah, moi je sais. J'aimerais savoir s'il y a une place pour les Sacres Nuits dans votre ordre. Ah mais moi j'accepte hein. Moi c'est direct. Je n'ai pas le temps pour les politesses. On va accuser, mais ils se sont noués de et c'est à nous de les guider. Le Seigneur Terran les a conviés à l'Une d'Argent. Et ben, on va aller à l'Une d'Argent. Je suis persuadée que le Seigneur Régent sera ravi de répondre à cette question. Êtes-vous prête à partir? Ce serait un honneur, Dame Liadrine. Oculette dispose des coordonnées de votre capitale. Je m'en vais chercher Silgrin et Val-3, puis je vous retrouverai à l'Une d'Argent. Vas-y, Dame Liadrine, crée un portail. Crée un portail pour l'Une d'Argent pour moi, STP. Non, fais pas ta pute, je te connais. Je vous ai toujours aimé, Dame Liadrine. Je vous ai toujours combattu à vos côtés. Oh putain, elle a disparu. C'est 10 fois pire. C'est de la pire trahison, ça. Bon, allez, hop, on retourne à Dalaran pour prendre le portail à l'Une d'Argent. Mais c'est une haute trahison. Tout est prêt. Voyons comment les nobles de Suramar apprécient la livraison de flétrie directement dans leur sac. À un moment, ça, ça existe plus. Mais c'est vrai que vraiment... Alors jamais ils disent l'alliance elle est trop hermétique et tout ça mais... Tyrande. La meuf elle déteste tout le monde, pourquoi il y a ça qui s'affiche? Elle déteste tout le monde aussi, faut pas... Je veux dire, putain c'est affolant genre, déjà alors Tyrande est casse-couille. Je dis pas je l'aime bien mais elle est un peu casse-couille surtout, ah la sagesse des lunes, mais ta gueule, on sait c'est qui lune, c'est bon. Les lunes, elle est cool, mais genre en ce moment, je crois, elle s'en bat un peu les couilles de notre monde, le fait qu'il y ait la Légion et tout ça. Et après, il y avait, et surtout, c'est le mari Malfurion. Oh là là, Malfurion, je le déteste. Pourtant, il y a des personnages dans l'Alliance que j'aime. Hein. Je prends par exemple Varian, que j'aime bien. Anduin était sympa parce qu'il a son côté pacifiste. Bon, même si c'est un peu, on a tendance à dire c'est le gay ou. Ou le puceau, hein. Après j'imagine bien que c'en est un. De puceau, hein. Peut-être pas gay, pas à ce point-là. Mais... Après voilà, c'est marrant quoi. Mais... Moi j'aime bien rigoler dessus, mais après je suis plus horde, c'est vrai. Mais... Après voilà, ouais, hein, ça se peut que... Dame Liadrine, ah, bah, okay, héros, attendez. Soyez les bienvenus. Comme vous pouvez le constater, nous avons reçu une visite. Allez, rien qu'on se vend. Liadrine, héros, je suis ravi de non vous mais revoir. Héros avec O. J'aimerais m'entretenir avec vous en privé. Non. Je ne vois aucune raison d'écarter nos alliés de la discussion, Aléria. D'ailleurs, de nouveaux amis viennent tout juste d'arriver. Ah, le Seigneur Régent, il me fait toujours mal. Allez, j'agis pour la lumière. Se montrer ne plus de soleil à la première arcaniste Talisra. J'ignore qu'il si le Tizan néanmoins. Ouais bah normal, elfe, c'est les hauts elfes. Le souvenir allez. Du puits du soleil. Oula, je sens tellement qu'elle va nous faire une connerie, Aléria. S'ils disent scénario, c'est qu'il y a un truc. Première arcaniste Talisra, honorables invités, bienvenue à l'Une d'Argent. C'est un plaisir d'admirer enfin votre somptueuse cité. Merci pour cette invitation, Seigneur Régent. Je vous en prie, appelez-moi Lortemar. Mais où sont mes manières? Laissez-moi vous présenter Aléria Courcevent. Une ancienne héroïne. C'est passé quoi avant? Elle a rejoint l'ennemi. Oh mon dieu. Un honneur inespéré, Dame Courcevent. Silgrin a vanté votre courage lors de la campagne sur Argus. Ah. Tout l'honneur est pour moi, premier arcaniste. Mais je ne souhaite pas imposer ma présence. Mais si, il reste. Il y a un scénario. Ne dites pas de bêtises. Quelle que soit la raison de votre venue, nos invités peuvent aussi l'entendre. Si vous insistez, je viens vous faire part d'une offre en duin. J'espérais que votre présence ait été motivée par votre amour de l'Une d'Argent. Au lieu de cela, vous venez sur ordre de l'enfant roi qui dirige l'Alliance. Ouais, pour quelle déception. Votre langue est acérée, Lortemar. Le respectueux forestier que j'ai connu serait-il devenu le porte-parole de son chef de guerre? Ah bah...
Alors t'es mort, tu crois qu'il a kiffé... Vous mettez ma parole en doute, mais que suis-je censé penser de vous? N'entendez-vous pas les murmures des seigneurs du temps? N'avez-vous pas cédé aux ténèbres sur Argus? Il semblerait que notre offre ait été escomptée et rejetée. Qu'il en soit ainsi. J'ai une demande à formuler avant de partir. Cela fait maintenant 1000 ans que je n'ai pas posé les yeux sur le puits de soleil. Puis-je le revoir? Tu viens pour faire ça Je le déconseille. Nous ne savons pas ce qu'elle pourrait... Quoi qu'elle soit devenue, Aleria reste une enfant de Kel'Thalas. D'accord, Seigneur Régent. Je ne refuserai pas l'accès à notre site le plus sacré. Premier arcaniste, si vous et votre suite souhaitez vous joindre à nous... Ce serait pour nous un immense honneur de voir le puits de soleil, Ortemar. Et je préfère que mes amis m'appellent Alissa. Romat, ouvrez la voie si vous le voulez bien. Suivez-moi, je vous prie. Ok, et moi sinon je suis où? Mon personnage a disparu de la cinématique, c'est génial. Bah oui. Hop les... Oh, ils ont pu quand même changer le World of Warcraft Légion comme ils ont fait avec toutes les extensions. Oh là là, eh. Je ressens sa puissance. Elle est comparable à celle du puits de la nuit, mais sa nature est différente. On a eu Kil'jaeden qui est venu la dernière fois. Mais un Naharu s'est sacrifié pour purifier ses eaux. Je me rappelle, on l'a buté. Je me rappelle plus son nom, mais on l'a buté. Le puits de soleil a changé. Mais sa beauté. Je sens tellement en fait Aleria faire une grosse connerie. Et là en fait. Que se passe-t-il? Et voilà. C'est pour cela que j'ai exigé l'exil d'Umbrick et de ses extrémistes. Tous ceux qui manipulent le vide constituent un danger pour le puits de soleil. Je n'avais pas l'intention de. Ouais, je pense qu'elle n'avait pas l'intention. Nous devons éradiquer la corruption avant que le puits soit perdu. Sylgrin, 23. Venez en aide au seigneur régent. Voilà, là ça va être les combats très simples. Alors j'essaie de parler fort parce que j'ai pas fait un test de son. En fait, on a balancé directement les quêtes et tout. Par contre, bordel quoi. Je viens genre, je peux revoir le puits de la nuit. Point, point, point. Laissez le vide, il est partout. Putain de casse-couille. N'importe, vraiment c'est un gros bordel. Hop là, on va voir. Allez, on va bientôt clamser le pourcentage. Et là, je pense que soit elle se fait attaquer, ou soit elle va se barrer. Je sais pas trop. Merci. Allez! Un roule la soupe. Chose en feu au puits de soleil. Allez, hop, 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 tu te calmes. Alors, je sais pas si ça fait mal. Hop, il se laisse. Nous pourrions perdre le puits du soleil. Je peux refermer la faille, mais il me faut de l'aide. Dites-nous quoi faire et nous vous prêterons main forte. Le portail est ouvert. Oui, c'est pas un seigneur de... Cela devrait satisfaire nos besoins. Mais on s'en bat les couilles, frère. Maintenant, concentrez votre puissance avec moi. Vous ne faites que retarder l'inévitable. En fait, c'est vrai, les seigneurs de ville, ils sont pas... Quittez le puits de soleil, là, vous d'accord. Bah allez, c'est bon, c'est pas grave. Le puits de soleil est en sécurité. Votre aide nous a été très précieuse. Bah, j'ai juste pété des mobs, hein. J'ai pété quand même Argus. Hein. Saisissez-vous de cette saboteuse. Je ne permettrai pas qu'on me fasse prisonnière sur mes propres terres. Assez. Je vous somme de partir, Aleria. Accident ou non, votre présence constitue une menace pour Kel'Thalas. Ah, il l'a mal pris. Retournez à Hurlevent. C'est normal. Vous n'êtes plus la bienvenue à l'île d'argent. Ah oui, moi je pense que t'es pareil, t'habites une ancienne héroïne qui au final te fout la merde à deux doigts de faire clumpser. Surtout là, celui qu'on a tué à Dune l'Assombrisseur, ce sort de mob du vide, c'est pas juste. Je suis le bras armé de la lumière. Ah,
Bah ouais, d'accord, je gagne un sabre bon de courage. Main. Alors, j'ai pas de portail. Donc, on utilise la technique du chevalier de la mort en mode bah, je vous baisse tous les autres. C'est, ça veut dire, c'est très simple. C'est, je prends le portail de DK. Le fameux qui au final n'a servi à rien jusqu'à pour les gens et qui d'ailleurs va ne plus servir encore à rien pour Battle for Azeroth, encore une fois. Attends, je vais récupérer le papier. J'en profite, hein. D'accord, hop, pour faire ça. On souffrait bien pour avoir ça. Vu que je me prépare pour les prochains sets. Vas-y. Nous en avons terminé. Ah, il est toujours bugué. Laissez-moi. Donc voilà, on continue. Et voilà, et nous on a un portail à Dalaran qui est juste à côté, c'est super bien. Et comme ça on ira faire. Je pense que je vais aller faire une autre vidéo que je posterai en même temps sur la tribu de Orok. Donc ça fait, ne vous inquiétez pas. Hop, c'est parti. Et au final, pour me dire, hey, tu vas retourner à Orok. Ah non, c'est à Mulgore qu'on ira faire la fête avec un événement. Alors là, je sais pas ce qui va se passer. Et après, j'essaierai de faire un sésame. De voir pour faire pas avec le sésame 110, peut-être pas. Pour essayer de prendre côté Alliance et le faire côté Alliance. Ah oui, non, mais ça reste. J'ai dit, ah, mais il faudra que je refasse tout, mais non, pas besoin. Allez, c'est parti, on retourne à l'avancée. Pour une fois que cette zone est maintenant remplie, avant il n'y avait personne. Ne me faites pas perdre mon temps. Chef de guerre et Sylvanas, voilà. Courcevent, je vous présente la première arcaniste Talisra de Sur'Amar. C'est un honneur, chef de guerre. J'ai combattu aux côtés de Dame Liadrin et du seigneur régent. Leur courage fait honneur à votre horde. En effet, première arcaniste. La Horde incarne une puissance irrépressible, une détermination sans faille et une identité forte. Des traits que nous, Châle d'Oreille, tenons en haute estime. Tout à fait. L'heure est venue pour les Sacres Nuits de trouver des alliés parmi les royaumes d'Azeroth. Si vous acceptez notre allégeance, nous serons honorés de rejoindre vos rangs. Pendant des millénaires, Sur'Amar a combattu seul. Vous embrassez aujourd'hui une cause plus grande. Ah, c'est sympa, ça. J'accepte votre serment d'allégeance, Talisra. Sur'Amar combattra pour la Horde. Pour la Horde. Pour la Horde. Pour la Horde. Mais non, ils ont changé le pour la Horde. Avant, c'était pour la Horde. Bon, bref, on va s'arrêter là-dessus. Je reprends juste après pour Orok, hein, ne vous inquiétez pas. Je posterai les deux vidéos en même temps, hein, qui sortiront. Bien sûr, la première sur les Sacres Nuits et la deuxième ici. Donc je vous dis à tout de suite pour continuer la suite. Allez, à tout de suite les gens.